Bonjour, alors je suis Mélanie, enchantée. Je suis account manager pour le Rakuten Fulfillment. Et voici. Et oui, je suis Thibaut et donc je suis le responsable de l'équipe logistique et fulfillment chez Rakuten France. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de comment accélérer ses ventes et développer ses ventes grâce à une solution logistique e-commerce. En effet, avec Mélanie, on va vous parler aujourd'hui des secrets de la croissance et comment adapter sa politique e-commerce grâce à une solution logistique. L'objectif, vraiment, c'est de vous montrer comment améliorer sa rentabilité et améliorer sa visibilité sur notre marketplace. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le petit champ qui est dédié et on pourra y répondre effectivement en fin de présentation. Donc aujourd'hui, la question sur laquelle on se pose la plus importante, c'est comment on peut générer une bonne expérience logistique et comment elle est indispensable pour obtenir une satisfaction client maximum. Mélanie, toi, de par ton expérience avec les vendeurs, comment tu pourrais justement répondre à cette question? On s'est rendu compte justement avec mes vendeurs que tout ce qui est problème de livraison mais également des délais sont très importants pour les acheteurs. Et on a réalisé une étude là-dessus qui montre que 67% des Français placent les délais de livraison en tête de leurs critères d'achat en ligne. Je pense que vous-même, vous en avez rendu compte, c'est que vous pouvez avoir votre produit qui est parfait, qui n'a pas de défaut, qui est vraiment top. Et en fait, vous pouvez avoir une notation de 1 étoile sur 5 juste à cause d'une mauvaise expérience de livraison. Donc là, vous allez pouvoir voir les pépites que nos vendeurs nous ont envoyées. C'est assez drôle quand même. Mais comme vous pouvez le constater, en fait, c'est des notations qui ne sont pas du tout liées à la qualité de vos produits, mais à la qualité de la livraison. Et donc, en effet, le but de Rakuten Fulfillment Network, c'est le mot d'ordre, la logistique, bien et vite. Surtout, mettez-nous en commentaire ou en tout cas dans vos questions combien de temps vous passez à gérer la logistique. Nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos marchands peuvent passer 25% à quasiment 40% pour certains plus gros vendeurs de temps à gérer tout ce qui est logistique, préparation, packaging, réception, retour, etc. Donc, c'est vraiment un temps assez important pour eux. C'est du temps humain, c'est du temps logiciel, c'est voilà, c'est du temps qui est pas utilisé pour toute la partie business, donc mise en avant des produits, amélioration des fiches produits ou même aller sourcer des nouvelles références et des nouveaux produits auprès de vos partenaires. Tout ce temps-là, c'est lié juste à réceptionner, stocker, préparer et livrer. C'est pour ça que nous, on a décidé de mettre en place une solution logistique clé en main qui peut gérer vraiment toute la partie supply chain de la vie de vos produits. Et en fait, on se rend compte que en tant que vendeur, le cauchemar pour vous, c'est de choisir le bon partenaire. Parce que aujourd'hui, dans le monde de la logistique, il y a un nombre incalculable de partenaires, des partenaires qui peuvent être européens, français, mais leur principal problématique à ces partenaires logistiques, c'est qu'ils sont pas très très flexibles. C'est-à-dire que il faut louer un minimum de mètres carrés pour un minimum de produits pendant X années, etc. Et c'est là où finalement leurs solutions ne répondent pas forcément à une problématique e-commerce pour des vendeurs comme les vôtres. Et du coup, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu avec tes vendeurs quelles sont les questions clés qu'on t'a posées pour démarrer un peu le projet Rakuten Fulfillment? Oui, bien sûr. Alors, les questions qui se posent généralement avant de choisir un partenaire de fulfillment, en général, c'est est-ce que le prix affiché est bien celui que je paye? Donc, nous, vous allez vous sûrement, en tant que vendeur, bien sûr, vous demander par rapport à ce que je paye, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Et surtout, est-ce qu'il n'y aura pas de frais cachés? Évidemment, les frais cachés, c'est par exemple, on vous fait un devis, on vous dit vous allez payer tant et à la fin du mois, il peut y avoir des surprises. Vous allez voir, bah, il y a plein de petites lignes qui ne faisaient pas forcément partie de ce que vous attendiez.
La deuxième question clé qu'on se pose généralement, c'est est-ce qu'on est certain de construire une relation de confiance et pas forcément une relation où vous êtes seulement acheteur du service. Donc en général, quand on cherche une relation de confiance, en tant que partenaire, et on se demande aussi, surtout dans cette relation, en tout cas dans le monde de la logistique, quand vous confiez vos produits, que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes toujours responsable de vos produits? Est-ce que votre partenaire est responsable de vos produits? Il est important de savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte de produit et si l'expérience ne se passe pas bien, comment ça se passe? Et c'est là où je vais vous parler justement d'une valeur qui est forte chez Rakuten, hein, qui est l'omotenashi. Donc, qu'est-ce que l'omotenashi? L'omotenashi est une valeur sur l'hospitalité et qui est très forte chez nous. Et nous, on dit souvent que le client n'est pas roi, mais il est Dieu. Donc en fait, nous, on va tout faire vraiment pour avoir cette relation de confiance avec vous, d'être vraiment partenaire et surtout de vous pousser vers le haut. Donc chez nous, comment on le retranscrit par rapport à nos convictions? Comme je l'ai dit, notre but, c'est vraiment de grandir ensemble. En fait, ce qui vous fait grandir nous fait grandir. Donc ça va être dans notre intérêt justement de vous pousser vers le haut. Il y a aussi le dévouement client qui est vraiment notre ligne principale de conduite et qui va se retranscrire dans l'offre que je vais vous indiquer tout à l'heure avec Thibaut. Et également, nous souhaitons avoir vraiment cette vision de transparence. Et c'est pour cela que la transparence est vraiment au cœur de notre offre qui va être notamment sur nos prix. Et du coup, avec nos convictions, nous avons créé spécialement cette offre pour vous. Chez Rakuten Fulfillment Network, hein, que vous allez voir sur ce slide tous les avantages dont vous pouvez bénéficier. Donc le premier avantage que vous allez pouvoir bénéficier, c'est évidemment dans la logistique, de gérer vos stocks efficacement. Donc de gérer vos stocks, cela veut dire que vous n'allez pas avoir de rupture, vous allez même anticiper vos ruptures et vos réassorts. Ouais, et tout ça en plus sur votre merchant dashboard, c'est un outil du coup que vous utilisez déjà en tant que vendeur. Et vous pouvez déjà accéder, en tout cas voir une certaine partie Rakuten Fulfillment Network où il est simple de rajouter un produit, créer vos réapro et gérer vos stocks Marketplace et vos stocks Rakuten Fulfillment. Ce qui est très simple à utiliser. Effectivement. Et vous allez également avoir l'avantage d'avoir un très joli badge expédié par Rakuten sur vos produits, surtout vos produits qui seront bien évidemment chez nous. Vous allez également avoir un boost de visibilité sur tous vos produits grâce à une visibilité sur la Buy Box. Donc les produits qui sont expédiés par Rakuten vont avoir accès à la Buy Box. Mais également, ces produits-là auront un boost de visibilité sur les opérations spéciales que nous faisons, par exemple sur le Black Friday. Mais également Noël, ouais. Ou même pour les soldes d'hiver. Là, on est en plein dedans, donc c'est justement le moment où vous pouvez voir un petit peu sur la page soldes. Il y a une visibilité un peu dédiée pour les produits Rakuten Fulfillment Network. Et ensuite, à côté de ça, l'objectif, c'est de gagner un petit peu de temps. Tu m'en parles un petit peu avec tes vendeurs. Ouais. C'est un peu quoi alors? Ils ont du mal un petit peu sur toute la partie logistique. Donc, ils ont besoin de gagner du temps et Rakuten Fulfillment Network, ça leur permet de se sortir un petit peu de cette utilisation, surtout lors d'opérations un petit peu spéciales comme les soldes ou Black Friday, où ils ont un petit peu moins de temps, il faut se concentrer sur la partie sales, gestion des tarifs, des prix, etc. La gestion des stocks et de l'expédition, ils peuvent vraiment le sortir et s'occuper uniquement de la partie commerciale à 100%. Exactement. Donc là, vous allez avoir, le service va vraiment vous aider, en fait, comme l'a dit Thibaut, à dégager du temps, mais également, vu qu'on va s'occuper de toute la partie logistique, mais également à booster vos produits. Donc, offre 2 en 1, ce qui est vraiment pas mal. Et vu que nous allons nous occuper, évidemment, de la partie logistique, nous allons aussi nous assurer la satisfaction de vos clients. Donc, concernant la notation, concernant vraiment l'expérience finale jusqu'à la livraison chez vos clients, Rakuten Fulfillment Network va s'en occuper. Et c'est vraiment notre résolution numéro 1, d'assurer la satisfaction de vos clients pour vous. Effectivement. Même pour vous, en tant que vendeur, l'objectif, c'est que vous ayez un account manager dédié. Donc, Mélanie, qui est account manager aujourd'hui sur les vendeurs
Fulfillment. Donc c'est Mélanie qui vous accompagne pour sélectionner vos produits, gérer votre expédition, gérer la gestion de vos produits à l'entrepôt, les retours. On peut même faire des produits reconditionnés, les revendre, etc. via notre service Rakuten Fulfillment Network. Donc vraiment l'objectif, c'est qu'on ait une vision et un produit avec une satisfaction client-vendeur et client-acheteur pour que tout le monde puisse avoir un produit qui les aide et qui les accompagne pour gagner du temps et donc gagner de l'argent. Et donc effectivement, comme vous le disait Mélanie, sur la partie visibilité de vos produits, Rakuten Fulfillment Network a mis en place un objectif marketing et visibilité sur Rakuten dédié à nos produits qui sont à l'entrepôt. Donc vous allez avoir ce joli badge, comme le dit Mélanie, expédié par Rakuten sur vos produits, mais aussi sur les pages catégories. Donc on peut le voir un petit peu à droite sur les produits avec un badge vraiment mis en avant pour nos acheteurs. Et ce badge, il est vraiment important hein, pour nos acheteurs parce que ça les rassure. Savoir que la livraison est gérée par Rakuten, ça leur permet d'avoir confiance et surtout de s'assurer. Hein, c'est un peu notre credo, on va dire, s'assurer une livraison rapide, en tout cas dans les 48-72 heures maximum. Et surtout lors d'opérations spéciales, comme on le disait, Black Friday, Noël, le solde, exactement, c'est un point ultra important parce qu'on va vous mettre en avant gratuitement parce que vous êtes utilisateur de notre solution Rakuten Fulfillment Network. Et ça, c'est important pour vous en tant que vendeur. Sur votre typologie de produit, on va vous mettre en avant et on va mettre en avant vos produits et donc votre marque durant ces opérations. Et du coup, pour revenir à ce qu'on parlait au début concernant les livraisons qui peuvent justement impacter la satisfaction client, Thibaut va vous montrer avec notre service Rakuten Fulfillment Network comment on peut justement passer de 1 étoile à 5 étoiles sur 5. Exactement. Comment devenir une star en fait. Exact. C'est ça. Et donc en fait aujourd'hui, grâce à Rakuten Fulfillment Network, l'objectif pour nous c'est d'assurer une livraison, alors bien sûr rapide, mais aussi qu'elle soit à 100% reçue par nos acheteurs. De toute façon, ça c'est un objectif premium pour nous. Et le second objectif, et c'est ce qu'on essaie de vous montrer ici sur cette slide, c'est que toutes les commandes qui sont passées avant 14 heures, sont expédiés et sont livrés en 24 heures. Le message ici, il est important, c'est comment on est capable de livrer en 24 heures, donc sur une livraison express, tout en gardant un tarif standard. Et c'est ça qui est important pour vous en tant que vendeur, c'est de faire bénéficier à vos acheteurs une livraison premium, tout en gardant un tarif équivalent à une livraison standard que vous pouvez retrouver avec tous vos autres partenaires. Ensuite, derrière, le second objectif pour Rakuten Fulfillment Network, c'est de pouvoir centraliser la gestion de vos commandes à 100% grâce à notre solution logistique. Alors, comment ça se déroule? En fait, aujourd'hui, c'est un peu le petit cadeau dont on ne vous a pas parlé ou en tout cas pas mis en avant encore pour le moment. C'est vrai. C'est que dès qu'on a du stock sur Rakuten Fulfillment Network, on est capable d'expédier pour vous pour toutes vos autres plateformes et tous vos sites e-commerce. En fait, le stock à l'entrepôt de Rakuten Fulfillment, il n'est pas uniquement dédié à la marketplace Rakuten, mais il est aussi disponible pour toutes les autres plateformes de vente. Et tout ça, bien sûr, sans discrimination et sans coût supplémentaire. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est que Rakuten Fulfillment Network, c'est une solution logistique qui vous accompagne pour votre business chez Rakuten France, mais aussi pour votre business e-commerce dans sa globalité. Et Rakuten Fulfillment Network, c'est une entité qui récupère des connaissances dans le monde du e-commerce et de la marketplace grâce à Rakuten France, mais aussi parce que Rakuten Fulfillment Network, c'est au Japon, aux États-Unis, au Canada, une société logistique qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et on s'appuie sur ces deux forces et ces deux connaissances qu'on a dans ces secteurs. Du coup, on va vous parler des tarifs pour notre service Rakuten Fulfillment Network où on a voulu simplifier nos tarifs au maximum pour que ce soit simple à comprendre. Par exemple, un produit est égal un point est égal un prix. Donc, ça va être surtout par rapport au poids comme vous pouvez le voir sur la slide. Ouais. Ce qui est important, pardon, c'est de savoir que peu importe la dimension de votre produit,
qu'il fasse 3 mètres ou 50 cm, c'est vraiment lié au poids. Et ça, c'est vraiment important pour vous en tant que vendeur, parce que ça va être assez simple de calculer le coût d'expédition, parce que c'est juste en fonction du poids de votre produit. Et ce sera simple, en tout cas, de faire des études et de calculer comment Rakuten Fulfillment Network peut vous accompagner et peut être compétitif par rapport à vos prestataires actuels. Exactement. Et du coup, sur les prix que vous avez vus, et comme l'a dit Thibaut, ces prix ne comprennent pas uniquement les frais d'expédition, mais également les frais de service. Donc les frais de service et d'expédition, qu'est-ce que c'est exactement? Donc vous allez avoir le prix pour la réception de vos produits, pour le déchargement de votre stock, pour la préparation de la commande, qui va également compter les fournitures qui vont avec, donc le carton, le rembourrage, et également les frais d'expédition. Bien sûr, et il y a aussi toute la partie gestion des retours. S'il le faut, on est capable de faire une vérification de vos produits s'il y a un retour. Hein, on réceptionne à l'entrepôt, on fait une vérification de votre produit. Si on est capable de pouvoir le remettre en vente avec votre accord, on peut remettre en vente ce produit en mode reconditionné. Ouais. Et ça, bien sûr, ça marche très bien dans cette économie circulaire qu'on voit en ce moment. C'est quelque chose qu'on est capable de faire et vraiment assez facilement pour recréer une nouvelle annonce avec vous et pouvoir revendre en mode reconditionné assez facilement. Et tout ça, géré par nos équipes logistiques et sans frais supplémentaires. Et dans ce prix-là, il y a également l'assurance sur vos produits. Effectivement, ouais, tout ce qui est lié à l'assurance, ce qui peut arriver dans le monde de la logistique, casse, perte à l'entrepôt ou durant le transport, votre produit est assuré à 100% et toujours une fois sans frais supplémentaires parce qu'ils font partie de ces tarifs compris qu'on vous a présenté juste à l'instant. Et ensuite, le second tarif qu'on a pour Rakuten Fulfillment Network, ça va être les frais de stockage. Donc ces frais de stockage, ils sont calculés au prix du mètre carré hors taxe par mois. Donc c'est pareil, hein, c'est le même fonctionnement, c'est un produit égale un poids égale un tarif. Et donc nous, par rapport à ce que je vous ai expliqué un petit peu précédemment, par rapport à d'autres prestataires logistiques, on est vraiment en mode flexible, donc on ne va pas vous demander d'abonnement ou de frais annuels, etc. Peu importe le nombre de produits que vous nous envoyez, un jour c'est 50 mètres cubes ou 50 mètres carrés, le lendemain c'est 300 mètres carrés, vous payez uniquement les frais de stockage que des produits que vous avez aujourd'hui à l'entrepôt. Et en plus de ça, nous on est capable et on est là pour vous offrir 5 semaines de stockage gratuite tout au long de l'année et pour tous les produits que vous allez nous envoyer à l'entrepôt. Dès qu'on les reçoit, c'est de nouveau 5 semaines de stockage gratuite. Et ça, c'est vraiment important pour vous en tant que vendeur. Si vous avez des références qui tournent assez vite, ben, en fait, les frais de stockage, ils sont de zéro. Et ça, c'est important. Zéro et plus zéro égale zéro. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette masterclass avec Thibaut. Gardons contact. Voici mon adresse mail que vous voyez sur l'écran ou au melanie.tran@rakuten.com. Vous pouvez également me suivre sur Rakuten et n'hésitez pas surtout à poser vos questions sur le chat ici. On va vous répondre dès que possible. Et si vous souhaitez envoyer un petit mail à Thibaut pour le citer de l'anniversaire, c'est aussi avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.